Le rink hockey est une discipline de hockey en patin à roulettes qui se pratique dans un gymnase peu connu. Ce sport est pourtant centenaire en France. C'était une des premières fédérations sportives françaises. Il fait partie de la Fédération française de roller skating. Aujourd'hui, c'est 5000 licenciés dans une fédération qui en compte un peu plus de 50 000. Une équipe de rink hockey constituée de 4 joueurs plus un gardien. Il faut marquer dans la cage, bien sûr. Chaque joueur a un équipement complet. Protection tibia, genouillère, gants, puisque la balle en plastique peut aller jusqu'à 180 km/h au niveau professionnel. Les patins à quad ont débuté à l'avance, ce qui amène un rythme dynamique et soutenu. C'est un sport qui est très physique, très rapide, qui demande énormément de qualité technique, tant au niveau du patinage que du maniement de la crosse. Il y a environ 600 licenciés en Rhône-Alpes. Trois grands clubs dominent la région, Lyon et Vaux-en-Velin, qui évoluent au plus haut niveau national N1, puis le RHGB de Glaizé, qui évolue en N2. C'est lui qui a organisé ce stage de détection où ces jeunes ont pour ambition d'intégrer l'équipe de France des moins de 17 ans. Ils sont passionnés par leur discipline. Tu fais un autre sport, par exemple, pas comme le foot où tout le monde en fait? C'est plus... Plus du jeu que des coups. Au niveau de la vitesse, du contact et tout, c'est bien, enfin, j'aime bien. Même si ce sport n'est pas olympique, une année sur deux, plus de 28 nations se disputent le titre de champion du monde. La France se situe actuellement au 6e rang mondial.